Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers sœurs et frères, il nous est proposé ce matin, comme thème du culte, de célébrer la Trinité. Avec la Pentecôte, fêtée dimanche dernier, voici à présent le dispositif de la révélation chrétienne qui est complet. La Trinité, mystère théologique, source de tant de débats et de controverses dans l'histoire. Saint Éphrem le Syriaque, au IVe siècle, en a proposé une explication pédagogique dont j'aimerais vous lire quelques extraits. Il compara le mystère trinitaire de Dieu au soleil. Voici ce qu'il écrivait. Le soleil est distinct de son rayonnement, bien qu'il lui soit uni. Son rayon est aussi le soleil. Mais personne ne parle pourtant de deux soleils, même si le rayon est aussi le soleil ici-bas, qui peut montrer comment et où est attaché le rayon du soleil, ainsi que sa chaleur. Ils ne sont ni séparés ni confondus, unis quoique distincts, libres mais attachés aux merveilles. Tandis que le soleil demeure tout là-haut, sa clarté, son ardeur sont pour ceux d'ici-bas un clair symbole. Oui, son rayonnement est descendu sur terre et demeure en nos yeux comme s'il revêtait notre chair. Mais lorsque le rayon remonte vers sa source, il n'a jamais été séparé de celui qui l'engendre. Il laisse sa chaleur pour ceux qui sont en bas, comme notre Seigneur a laissé l'Esprit Saint aux disciples. Avec la révélation de Dieu le Créateur, nous, petites choses dans l'immensité de l'univers, nous avons reçu la confiance et le respect devant le mystère de la vie. Avec Jésus le Fils, nous avons reçu l'amour et le pardon pour vivre en homme et en femme debout, et nous avons pu goûter à l'amour de Dieu. Avec l'Esprit, nous sommes rendus libres et capables d'agir. Ainsi, par le mystère de la Trinité, nous sommes à la fois confiants, aimés et pardonnés, et capables d'agir dans le monde. Entrons à présent dans ce culte, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous voudrons chanter, nous célébrons un saint mystère.
Louons Dieu avec des paroles du psaume 118. Alléluia. Louez Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles des siècles. Du lever au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples et sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il s'élève très haut pour siéger. Il s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. De la poussière, il relève le faible. De la cendre, il retire le pauvre. Chantons au psaume 118, la première strophe. Devant Dieu, confessons notre péché. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, tu nous fais découvrir chaque jour les merveilles de ta bonté. Les voyons-nous. Seigneur Jésus, Sauveur des hommes, chaque jour tu nous manifestes la puissance de ton amour. Le reconnaissons-nous. Esprit Saint, souffle de vie. Chaque jour, tu nous révèles la richesse de tes dons. Qu'en faisons-nous? Quelle grande nouvelle! Dieu vous pardonne. En son Fils Jésus-Christ, ce que le Père vous révèle de son amour, son Esprit vous le confirme. Bien que pécheur, vous êtes aimé de Dieu. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Chantons la sixième strophe du psaume 118.
De notre Père, tu as choisi de révéler le mystère de la vie dans la fragilité et la délicatesse d'une parole humaine, par la parole des prophètes, par la parole de ton Fils Jésus-Christ. Et puis, tu nous as donné ton esprit pour la recevoir et la comprendre comme une parole venant de toi. Donne-nous maintenant, à l'heure d'entendre les Écritures, cet esprit qui nous ouvre à toi. Amen. Nous lisons dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 6, les versets 1 à 13. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Il me dit, « Va dire à ce peuple, écoutez bien, mais sans comprendre. Regardez bien, mais sans reconnaître. Alourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille, aveugle ses yeux, de peur que ses yeux ne voient, que ses oreilles n'entendent et que son cœur ne comprenne, qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. » Et je dis, « Jusque à quand, Seigneur ?» Il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient ravagées, dépeuplées, les maisons sans habitants, et la terre désolée, ravagée, jusqu'à ce que le Seigneur en ait éloigné les habitants, et que se multiplient dans le pays les terres abandonnées. Et s'il en reste un dixième, à son tour, il sera détruit, comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste que la souche. Cette souche est une semence sainte. » Puis nous lirons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 8. « Il y avait un homme, un pharisien, nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? Jésus répondit : Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit : Il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Mon Dieu, par ta lumière. Ce matin, Dieu était passablement énervé et il a fait porter son énervement à Isaïe, un peu comme si Catherine, qui a accepté de porter la parole il y a quelques minutes, Dieu lui avait confié la mission de vous engueuler parce que vous ne comprenez rien, parce que vous n'entendez rien, parce que vous ne voyez rien. Pourquoi est-il énervé ? Il y a beaucoup de manières de lire un texte de prédication. Ce matin, je vous proposerai d'essayer de comprendre ce courroux de Dieu dans une perspective historique et géopolitique. Nous sommes autour de l'an 740 avant notre ère, au Moyen-Orient, dans une région où vont se produire des événements qui vont faire entrer la civilisation humaine dans l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui encore les héritiers directs des événements qui se sont produits alors, de ce qui s'y est joué, qui continuent d'influencer notre monde tel qu'il va aujourd'hui. Vous connaissez cette carte, elle vous rappelle peut-être des souvenirs de cours d'histoire ou de catéchisme. Elle représente cette région que l'on a nommée le Croissant Fertile,
aussi la Mésopotamie, parce que située entre les deux fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Bien, c'est dans cette région que vont naître, se développer, se succéder des royaumes et des empires pour la domination des ressources agricoles alors. Nous connaissons toujours l'importance politique des ressources naturelles. Leur contrôle conditionne toujours les relations entre les nations. Nous l'avons encore constaté avec la crise du pétrole et du gaz lors du déclenchement de la guerre en Ukraine, comme celle du blé. Et dans les années à venir, ce sera la question de l'eau, des métaux rares qui susciteront de nouvelles convoitises. Comme dans cette région, il y avait des ressources, la population va augmenter fortement et vont naître ici les premières cités. La maîtrise de l'agriculture nécessitait des bras et permettait des surplus qui augmentaient la natalité. C'est là encore que vont être domestiqués les premiers animaux. C'est toujours dans cette région que serait apparue la roue, qui facilitera à la fois les échanges commerciaux et la technologie militaire. C'est là enfin que l'écriture aurait été inventée, probablement parce qu'il fallait pouvoir gérer l'augmentation des ressources. Et précisément, l'écriture serait née ici, vous voyez, dans la ville d'Uruk. Uruk, une ville célèbre parce que c'est de cette cité que nous avons conservé les premiers mythes religieux, dont nous ayons conservé la trace écrite du moins, en particulier l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh qui était ce roi semi-mythique de la ville d'Uruk. Et son histoire inspirera entre autres le mythe biblique du déluge et d'autres récits bibliques. On pourrait dire qu'ici se trouvent les racines de nos récits bibliques. Et juste en dessous, il y a une autre ville qui nous est familière, c'est Ur. Ur, la ville où la Bible fera naître Abraham. Abraham, celui qui va être appelé par Dieu à quitter cette ville, pour changer de vie, changer de religion, changer le monde. Pour compléter le tableau, nous pouvons encore repérer les grandes cités qui vont faire l'histoire de la première partie du dernier millénaire avant notre ère, cités qui sont Babylone, Ninive et Memphis en Égypte. Et puis, sur la route entre ces grandes cités puissantes, il y avait un goulet d'étranglement, une petite bande de terre qui se trouve sur la prochaine diapositive, ici, autour d'Israël et de Juda, point de passage entre l'Égypte, la Syrie et Babylone. Passer plus à l'est, si on voulait traverser directement, cela supposait de traverser le désert, alors que là, entre Jourdain et Méditerranée, la route était plus favorable pour les marchands comme pour les armées. Et c'est là que, nous raconte la Bible, Abraham va être appelé. Mais lui ne va pas être appelé ici pour développer une cité encore plus puissante que les autres, une technologie encore plus étonnante ou révolutionnaire. La révolution d'Abraham sera une invention immatérielle, une nouvelle religion ou une nouvelle approche religieuse qui va soumettre l'ensemble du monde matériel, y compris la nature, aux réalités spirituelles. Venons-en maintenant à Ésaïe, vers l'an 740. À ce moment-là, l'Empire assyrien domine la région. Sur la carte, on le voit, ce sont les couleurs orangées. L'orange le plus foncé, c'est la Syrie la plus ancienne qui va s'étendre progressivement. Là, on est à peu près vers 740. On voit qu'elle a conquis, c'est l'orange un peu clair, elle a conquis à peu près toute la région. Elle en est presque à sa plus grande expansion. Elle grandira encore un peu au cours du 7e siècle en conquérant l'Égypte. Ésaïe naît et grandit et est éduqué dans les cercles proches du pouvoir, dans un tout petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda, un royaume qui est né d'un schisme avec le royaume du Nord, peuple frère devenu ennemi.
Israël. Les récits bibliques ne sont pas économes de récits de relations difficiles entre frères. Nous pouvons y lire peut-être le reflet de ces divisions politiques. Samuel va nous montrer Judas d'un peu plus près. Voilà, c'est par ici. Et on va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, Judas, c'est autour de Jérusalem. Alors, en 740, c'est un petit peu plus grand. La région va être un petit peu réduite, mais je n'entre pas dans les détails. En tout cas, on voit que c'est une toute petite île au milieu de l'océan des grands empires. Vraiment toute petite, entourée par des populations ou par des empires ennemis. Sa situation n'est pas, sans nous rappeler, celle d'une autre petite entité encerclée et menacée que vous reconnaîtrez facilement. Vers 740, l'enjeu politique est quelle position adopter face à l'Assyrie qui ne cesse de s'étendre. Faut-il s'opposer ou faut-il s'associer ? Israël au nord, on va peut-être passer la diapo suivante tout de suite. Israël qui est au nord va faire le choix de la résistance, il va solliciter Juda pour créer un front anti-assyrien, mais en vain Juda va refuser. Ce qui fait que Israël va être vaincu. Alors sur cette carte, on est là déjà après 722, parce que Israël va disparaître, il est déjà englouti dans l'Empire assyrien, et puis Juda, lui, demeure encore, alors non pas tout à fait autonome, puisqu'il payera un tribut, mais au moins sa population pourra demeurer sur place, mais ils payeront un tribut à l'Empire assyrien. Juda sera donc préservé, en perdant une partie de son territoire, mais préservera sa capitale, alors qu'Israël sera totalement intégré dans la Syrie. Si on se souvient que la capitale d'Israël, du royaume du Nord, était Samarie, que les habitants se nommaient les Samaritains, on comprend l'origine, au moins l'une des origines de l'animosité entre Judéens et Samaritains, puisque 7 siècles après, encore dans le Nouveau Testament, les Samaritains, vous le savez, avaient fort mauvaise réputation, peut-être lié à cette trahison et au refus de Judas alors de s'allier à Israël. 7 siècles après, il n'avait pas oublié, et la parabole du bon Samaritain racontée par Jésus manifeste la volonté de Jésus de dépasser enfin ce conflit. Ésaïe suit la situation internationale de près. Seulement Ésaïe n'est pas un stratège militaire. Il n'est pas un fin diplomate, il n'est pas non plus un expert en économétrie, ni un habile politique. Ésaïe regarde les jeux géopolitiques avec la conscience de leur vanité. Ce ne sont que jeux de pouvoir, lutte pour l'argent, lutte et violence, domination, mépris de la justice, écrasement des faibles. Ésaïe est l'héritier d'Abraham qui avait fui tout cela, et le prédécesseur de Jésus. Tous percevaient le sens de l'existence ailleurs que dans la seule gestion et possession de ressources matérielles. Ésaïe voit à travers les choses ou voit au-delà d'elles. Il sait, il croit que le fondement de la vie humaine trouve sa source, non pas dans la conquête de territoires et la possession des ressources, mais pour lui, le fondement de la vie humaine trouve sa source au-delà des nuages, au-delà de ce que nous percevons, de ce que nous touchons, fabriquons ou possédons. Et il est transporté dans le chapitre 6 que nous avons entendu, il est transporté par une vision en présence du Créateur du monde lui-même. Devant le Créateur, que tu habites un empire ou un village, que tu sois petit ou grand, riche ou pauvre, que ton avenir consiste en un développement ou un effondrement, paraissent tellement futiles. Ésaïe, l'homme aux lèvres impures au début du texte, impur pour s'être mêlé au jeu politique, devant Dieu et avec Dieu, va être appelé à devenir l'homme aux lèvres de feu. Il va devenir prophète, porte-parole de Dieu, chargé d'un message radical et brûlant, qui est celui-ci. Voici ce qu'il est chargé d'aller dire au peuple. Tu iras vers le peuple lui annoncer qu'il ne peut entendre, qu'il ne peut voir, qu'il ne peut rien comprendre.
jusqu'à ce que les villes soient ravagées, dépeuplées, les maisons sans habitants et la terre désolée. Ravagées jusqu'à ce que le Seigneur en ait éloigné les habitants et que se multiplient dans le pays les terres abandonnées. Le Créateur déconstruit toutes les illusions du pouvoir humain. Les rois de Juda, petits et faibles face aux empereurs Salmanazar V ou Sargon II, mais en fait devant Dieu, que tu sois grand empereur, petit roi, tout cela n'a plus aucune importance ni aucune valeur. Devant Dieu, il n'y a plus de petit ou de grand, il n'y a plus finalement même de roi. Tous ceux qui vivent du pouvoir, par le pouvoir, pour le pouvoir, partageront de toute manière la même destinée qui est de redevenir à la fin poussière. Et le récit se poursuit, s'il en reste même un dixième, il sera détruit à son tour comme le chêne et le térébinthe abattus, dont il ne reste que la souche. En effet, la Syrie sera renversée au VIe siècle par la Babylone de Nabuchodonosor, qui sera elle-même conquise par le Perse Cyrus au Ve siècle, remplacée par la suite par Alexandre le Grand au IVe, puis viendront les Grecs séleucides et puis les Romains. Plus tard encore, la région sera conquise par les armées arabes, puis viendront les Ottomans. Je vous passe les croisades et je ne m'étendrai pas sur la complexité de la situation de cette région qui demeure toujours aujourd'hui et dont personne n'a encore trouvé la manière de la pacifier. Aujourd'hui encore, toute cette région, berceau de notre civilisation, continue d'être le terrain de jeu des grandes puissances et des désirs d'empire. Peut-être que si la prospérité de ce croissant si fertile a fait sa grandeur, elle a fait en même temps son extrême fragilité parce qu'elle attirait toutes les convoitises. Paul Valéry, au sortir de la Première Guerre mondiale, écrira « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Oui, et c'est un peu ce que semble nous dire ici Ésaïe, « Tout est voué à disparaître », ce qui pourrait nous paraître une parole bien désespérante. Dieu ne s'illusionne pas sur l'aptitude de l'humanité à prendre en compte ses avertissements. Et Ésaïe est chargé d'annoncer à Juda, de toute façon, quoi que l'on vous dise, vous n'écouterez pas, ne comprendrez pas, vous n'avez pas d'avenir. Ésaïe ne sera ni le premier ni le dernier prophète à être envoyé par Dieu, à être au mieux pas entendu, au pire mis à mort. Et pourtant, malgré l'échec apparent de l'annonce de la révélation biblique, Ésaïe persévère. Il continue à annoncer l'échec qui est planifié. Il comprend que le rôle du prophète, ce n'est pas de rechercher le succès, l'audience maximale, nous dirions aujourd'hui l'audimat. Le prophète dit ce qui est désagréable à entendre. Il dit la vérité qu'on ne veut pas voir. Il porte une parole en apparence désespérante, désespérante comme l'actualité parfois, désespérante comme l'Ukraine, désespérante comme les prévisions climatiques, désespérante comme la situation de notre protestantisme historique, ainsi que celle du catholicisme aujourd'hui en France. Hier, à l'occasion d'une journée œcuménique avec des amis catholiques, l'ambiance était plutôt autour de cette désespérance. Une des personnes présentes disait « C'est fini, nous allons nous éteindre ». Nous aussi, nous pouvons avoir l'impression que l'histoire joue contre nous, que c'est notre fin, que comme Juda, nous sommes en train de nous dissoudre dans de nouveaux empires qui vont nous engloutir. Il y a quelques jours, nous avons visité la grande mosquée à Mulhouse, avec quelques-uns qui sont ici. Nous avons été impressionnés. Si vous allez visiter la méga-church de la Porte Ouverte Chrétienne, vous pourrez avoir la même impression. Des lieux impressionnants, puissants, tentants, on pourrait dire un peu d'une certaine manière babylonien, avec des chiffres d'accueil qui donnent le tournis. Devant ces édifices, nous nous sentons peut-être parfois comme les Juifs déportés à Babylone devant la ziggourate majestueuse qui donnera naissance au récit de la tour de Babel. Il ne s'agit pas de jeter la pierre à ces lieux, d'en éprouver de la jalousie, parce qu'à quelques jours de la réouverture du temple Saint-Étienne, nous pouvons nous souvenir qu'au XIXe siècle, c'était nous, du moins nos prédécesseurs protestants, qui portaient ces mêmes rêves de puissance et de gloire en bâtissant cet édifice impressionnant en plein centre de la ville.
C'est nous alors qui étions les impériaux, les babyloniens, c'est nous qui étions les puissants. Hier, depuis, oui, nous avons été dispersés, emportés par le vent de l'histoire, pas plus fort que nous. Et puis il y a peut-être encore d'autres empires qui nous entourent, qui nous donnent l'impression d'être une toute petite citadelle assiégée. Les empires des nouvelles religiosités néo-chamaniques, des spiritualités nouvelles qui se développent tellement plus en phase avec la modernité que nous. Nous pouvons nous ressentir comme si diminués, comme les has-been avec nos traditions qui n'ont de charme que pour les adeptes du vintage. Nous pouvons être tentés de renoncer ou d'aller nous allier aux nouveaux empires pour profiter un peu de leur soleil et de leur gloire. Certains vont le vivre tellement mal qu'ils vont en développer un sentiment de frustration ou de revanche avec l'impression que nous serions en train de nous faire grand remplacer. Mais si nous pensons comme cela, nous restons dans nos pulsions de puissance et de pouvoir, nous n'acceptons seulement pas qu'il ne soit plus entre nos mains à nous. Or, ce que nous dit Ésaïe, ce que chercha Abraham, ce que vécut Jésus, c'est de sortir de la volonté de puissance. Et c'est ce qui apparaît, ce qui nous est dit dans les derniers mots du texte, lorsqu'il est dit « cette souche est une semence sainte ». Après la désespérance, il y a encore une suite. Après la fin apparente, ce n'est pas encore fini. Nous chanterons tout à l'heure cette parole de Jésus, « si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul ». Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est ce qui se voit à vue humaine? Est-ce que c'est d'être nombreux? Est-ce que c'est d'avoir un nom comme les Babéliens? Est-ce que c'est d'être fort, de posséder la richesse ou l'influence? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est important? La gloire? Les empires? La question qui nous est posée par Ésaïe, à travers lui, par Dieu, c'est de nous demander, mais qu'est-ce qui est saint? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est éternel? C'est peut-être ce qui reste, lorsqu'on s'est dépouillé de ses désirs de puissance et de domination, lorsqu'on a tout perdu, sauf la foi. On ne peut vivre qu'en mourant à soi-même, afin d'enfin renaître en Dieu. Ce qui compte, ce qui est important, ce qui est saint, ce qui résistera au temps, ce qui ne sombrera pas dans la poussière, ce qui est éternel, c'est d'avoir en soi la vision qui est au-delà des nuages, c'est de savoir qu'au-delà des nuages se trouve toujours notre Créateur. Amen. Thank you.
Allons passer aux annonces. Jeudi soir, il y a étude biblique à Terre Nouvelle à 20h sur l'Apocalypse. Et lundi prochain, le 12 juin, étude biblique sur la Genèse à Dornac. Parce que j'y pense, il faudra que Sonia, avant qu'elle ne parte, qu'on en discute, parce que c'est moi qui l'animerai, je peux vous dire où vous en êtes, ce que vous faites. Voilà. Dimanche prochain, il y a deux cultes, l'un à Saint-Martin, l'autre à Ilzac. Et puis, oui, reviens un coup en arrière. Alors, en avant plutôt. Voilà. Ouais, c'est juste pour vous dire que sur le site internet, on a mis le lien vers le sondage. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez remplir ce sondage pour, dans la perspective du bilan que nous voulons faire de cette année passée en dynamique mulhousienne. Bilan qui se fera le 25 juin à l'issue du culte. Ça se passera ici. Et si vous tenez le culte plus le temps de bilan, vous aurez droit ensuite à la diapo suivante. Au barbecue de la dynamique, donc le 25 juin. Et je crois que c'est tout. On peut passer à la suivante. Oui, voilà. Pour les annonces, y a-t-il des choses que quelqu'un veut rajouter ? Auquel cas, nous voulons à présent recueillir l'offrande. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Amen. Nous voulons à présent nous préparer à partager le repas du Seigneur. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, toi notre Dieu. Tu restes cependant pour nous un mystère. Qui peut te dire qu'il te connaît, Père, sinon celui qui, par l'Esprit, te rencontre dans le Fils? Ce que tu nous révèles de ton visage, nous en trouvons la trace en chacun et nous le découvrons en plénitude en Jésus-Christ. C'est ton esprit qui rend nos cœurs brûlants d'amour et de reconnaissance. Et c'est pourquoi nous voulons chanter et te louer. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint,
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur a donnée en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Seigneur notre Dieu, nous qui partageons ce pain et ce vin, fruit du soleil et de la peine des hommes, fais de nous par ton esprit les membres de ton corps, qu'il nous montre à travers ce pain et ce vin le repas que tu as préparé pour nous, que nous y trouvions les signes de la vie et de la mort et de la résurrection de ton Fils, que cette nourriture nous donne la force de poursuivre notre marche sur les chemins de l'Évangile. Frères et sœurs, le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons sa gloire et sa mémoire. Christ est venu. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, vous êtes tous et toutes invités à vous nourrir des bienfaits de notre Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. Venez, car tout est prêt. Vous pouvez vous avancer. Alors, François Maurice distribue le pain, je distribuerai le vin et Adidja, le jus de raisin.
Seigneur Dieu, dont le mystère dépasse notre compréhension, reçois notre prière. Dieu créateur du monde, tu es le gardien de notre terre et de ses habitants. Établis la paix entre les nations, que le responsable des peuples serve la vie et protège ce que tu as créé. Jésus-Christ, Seigneur de l'Église, tu rassembles ton peuple dans l'amour et la réconciliation. Fais de nous des artisans de justice et de paix, des témoins de ta mort et de ta résurrection. Esprit Saint, souffle de vie, viens en aide à celles et ceux qui sont en quête de sens. Accorde-leur la lumière de la foi et allume en eux le feu de ton espérance. Dieu trois fois saint, reçois notre prière. Accorde-nous de saisir le mystère de ta présence enfouie en nous. Et tous ensemble, en communion avec le monde, nous voulons te prier comme tu nous l'as appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous pouvons rester debout pour le dernier chant. En entrant dans cette église, vous avez entendu que l'amour de Dieu, tel un soleil, vous est assuré et vous réchauffe. Que cette assurance vous porte maintenant en retournant vers le monde, qu'elle vous rende rayonnant pour faire de vous des témoins de cette nouvelle inouïe.
que nous allons porter plus loin. Dieu aime le monde. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il te donne la paix. Amen. À la sortie, ceux qui ont un moment, il y a possibilité de boire un café ou un apéritif. Merci à Jean-Jacques pour l'orgue et à Samuel pour la vidéo et à vous tous pour ce que vous êtes.